Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ces grands rendez-vous hebdomadaires du magazine qui voit autrement la RDC. La Commission nationale de prévention routière et le ministère de transport en collaboration avec le CFAO Motors sensibilisent le Loua au respect du code de la route. Une campagne a été lancée le 20 janvier à la place 30 juin à Gombe. Regardez. Former et informer le Loua, les inciter au bon réflexe pour le respect du code de la route est la raison d'être de cette campagne de vulgarisation et de sensibilisation ouverte à l'intention de motocyclistes le 20 janvier à la place du 30 juin. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie. L'initiative prise a évité à ces nombreux types de transporteurs les accidents de la route. La Commission nationale de prévention routière et le ministère de transport en collaboration avec le CFAO Motors veulent jouer pour les mieux. Je déclare les lancements officiels de la campagne 2016 de sensibilisation des motocyclistes Wewa sur le thème Wewa, l'ivresse au guidon et l'excès de vitesse tue. Portez votre casque et motocyclistes, respectez le code de la route. Pourquoi le CNPR appuie-t-il l'initiative? Eh bien, aujourd'hui, c'est le lancement de la première campagne de sensibilisation pour l'encadrement des motocyclistes, communément appelés Wewa, dans la ville de Kinshasa et à travers toute notre nation congolaise. Et ici, nous avons choisi un thème tout à fait simple et spécifique. Le premier thème, c'est Wewa. En tout cas, l'alcool et l'excès de vitesse au guidon, donc au guidon ici, tue. Portez votre casque comme je le fais. Et le passager que vous allez transporter, un seul, doit aussi avoir le même casque. Ceci, c'est pour protéger la population congolaise contre les accidents de circulation dans le système de transport à deux roues, qui est un phénomène qui ne date pas de 15 ans. Voilà pourquoi le ministère des Transports et Voies de Communication, par le biais de la Commission nationale de prévention routière, est en train de mettre un accent particulier pour que nous puissions diminuer, en tout cas, le taux d'accident dû à la circulation des Wewa. C'est une démarche qui, à long terme, portera ce fruit. Nous espérons vivement que cette action portera des fruits et contribuera de manière considérable à la réduction du taux des accidents par les Wewa ici à Kinshasa. Nous nous engageons également à étendre l'action dans d'autres villes du pays et aux utilisateurs de la route. Cette sensibilisation atteindra toute l'étendue du territoire national. Dans le même cap, la Commission nationale de prévention routière a pour partenaire de choix, c'est CFAO Motors. Les concessionnaires en ont profité pour présenter la nouvelle moto SIM efficace sans concurrent auprès au transport. Regardez. Concessionnaire automobile reconnu dans l'importation de véhicules de qualité en République démocratique du Congo. CFAO Motors est aussi engagé dans la lutte contre les accidents de la route. Ces voitures de marque Toyota, Suzuki, Peugeot, aujourd'hui la moto SIM de qualité participe de cette vérité. C'est également la raison de participation du concessionnaire à cette campagne de sensibilisation de conducteurs de taxi-moto au respect de code de la route. La moto SIM confortable est conçue pour cet idéal. Nous sommes une société commerciale en dehors de ce que nous distribuons, donc Toyota, Suzuki. Nous distribuons aussi les motos SIM. Donc les motos SIM, c'est certifié, ce sont des motos de très bonne qualité.
Donc, c'est fabriqué aux usines. Nous sommes les représentants des usines à l'aide de ces produits-là. Donc, la qualité est garantie. Et les produits sont vendus aussi, sont garantis. Et les produits sont vendus au meilleur prix. Quoi que pour le moment, nous devons être parmi les moins chers sur le marché de Kinshasa. Donc, notre produit est encore en lancement, mais de plus en plus, CFAO n'est pas seulement ses vendeurs réputés, mais aussi et surtout ses concessionnaires soucieux de la vie des usagers de la route. Nous ne sommes pas seulement vendeurs, mais nous sommes responsables parce que nous vendons du matériel, nous vendons du véhicule, nous vendons de moto. Donc socialement, nous sommes responsables. Donc nous devons, en dehors de ce que nous distribuons, nous devons nous assurer que les usagers font bon usage. Donc ils respectent le code de la route et ils ont la sécurité sur la route aussi. Alors notre objectif, c'est qu'on puisse dire aux usagers que rouler en moto, ce n'est pas insécurisant. Donc il y a moyen de rouler à moto sans commettre des dégâts. Si on connaît le code de la route, si on prend des mesures de porter des casques, de porter les bonnes chaussures, d'avoir les bons réflexes d'entretenir les motos, je crois qu'il n'y aura pas de problème dans la route. Visitez plutôt cet entrepôt de vente de motos sur l'avenue du Poids Lourd. Donc l'entreprise CFAO va faire une démonstration de la moto SIM. La moto SIM, c'est une des marques que CFAO commercialise en RDC. Avant de pouvoir monter à moto, il y a des préalables. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord de porter les gants. Et souvent ce qu'on voit chez les motocyclistes, ils n'en ont pas. Donc il faut avoir des gants. Ce que nous trouvons, c'est que généralement ils roulent avec des babouches. Donc c'est source d'accident, donc ce n'est pas indiqué. Ce qui est indiqué, c'est d'avoir ce qu'on appelle communément les caisses ou des chaussures plates qui permettent de pouvoir manipuler. Alors par la suite, il faut mettre, avant de démarrer, il faut mettre le casque. Et les casques sont commercialisés aussi chez CFAO. Donc si vous voulez des casques d'accident, et puis ça protège aussi les yeux, donc contre la poussière et contre les intempéries. Alors par la suite, il faut avoir un gilet, parce que c'est recommandé par la commission. Donc il faut s'assurer que c'est en bon état de marche, que il y a des lumières, il y a du carburant et que les clignotants. Voici un lieu sûr où les motos de qualité sont disponibles. La minoterie de Matadi, support technique de la ferme Ave Maria au quartier Benzolé dans la commune de Lancelé. Une entité rentable tenue par Déborah Chibola, toujours prête à valoriser son métier d'éleveur. Faire de l'élevage de porcs, vaches et autres volailles n'est pas du tout aisé. Un travail exigeant en termes d'énergie, des temps suffisants et de la patience. Ici dans cette ferme, ce n'est pas un homme qui hausse la voix mais une femme, Déborah Chibola. Une tâche difficile, elle est secondée par d'autres éleveurs. Les choix des aliments pour bétail et volailles pour les éleveurs de la femme Ave Maria n'est autre que Midema. C'est ce qui explique cette santé de fer de ces porcs et volailles. Les secrets se trouvent gardés dans ces sacs contenant des aliments pour bétail et volailles de marque Midema. Incroyable mais vrai, Déborah n'est pas qu'une simple gérante, mais aussi vétérinaire de par sa formation reçue du vétérinaire de la Midema. Cela lui sert de support technique. Elle est capable de faire une castration cinglante des porcs. Je suis gérante, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Je suis éleveur. Oui, c'est ce que je fais ici. Bon, nulle part ailleurs, c'est moi ici. Ah, on est à l'école Moussala en haut, à travers docteur Ningami Dema, c'est là où j'ai appris. Ça fait 2 mois. 2 mois, on a l'école Moussala. Bon, les bandeliers, ça qui est vraiment un peu difficile pour apprendre. Mais maintenant, ça va. Désinfecter.
rasage et puis ouverture des poches, plusieurs poches. Et puis après, la section. Voilà. Très fière. Je suis très fière de l'apprendre. À travers mes démarches, je vous remercie. Ah oui. Selon Dr Nienga, médecin vétérinaire de la Midema apprend aux éleveurs de l'administration des premiers soins aux animaux, c'est fait gratuitement. Nous encadrons aussi les éleveurs comme on le fait par les gens de la farine. Nous sommes en train pour le moment de préparer un séminaire d'une façon générale pour tous les éleveurs, mais dans l'entretemps, dans chaque ferme où je passe, je forme les gens que je trouve sur terrain pour que, au cas où je ne suis pas là et qu'ils ont un problème, qu'ils sachent intervenir dans un premier temps eux-mêmes. Tel est le cas de notre demoiselle que vous venez de voir en train de faire la castration. Elle est pédagogue. Dans 2 mois, depuis que la ferme Ave Maria s'est fait cliente de nos aliments, je me suis dit, comme je ne suis pas disponible, je ne suis pas là juste pour l'unique ferme, que je me mette à former cette demoiselle. Je lui ai appris à injecter, à intervenir quand les porcelets sont malades, quand il y a des cas de plaies, comment injecter, à quel niveau il faut injecter, quelles sont les doses qu'il faut utiliser. Et je suis allé plus loin à lui apprendre aussi la castration. Ça, je n'ai pas beaucoup à commenter là-dessus. Vous venez de voir vous-même comment elle vient de le faire. Pour avoir un bon résultat de son élevage, il convient de bien choisir des aliments qui leur sont appropriés, affirme Dr Nienga. Pour éviter de donner n'importe quoi comme aliment aux animaux, pour éviter qu'on ait des maladies nutritionnelles, éviter aussi des faux diagnostics et des traitements aléatoires, j'invite les propriétaires des élevages à se faire encadrer par la Midema. Midema, le numéro 1 en RD Congo. La majorité présidentielle grossit ses rangs. 25 nouveaux partis politiques ont adhéré à cette plateforme. Question pour leurs membres de soutenir davantage Joseph Kabila. Regardez. Mercredi 20 janvier, 10h, la deuxième entrée de la foire internationale de Kinshasa, inondée de monde. Des membres de 25 partis politiques venus signer leur adhésion à la majorité présidentielle. En témoignage de fidélité à l'autorité morale de cette plateforme, Joseph Kabila Kabange. Parmi eux, le mouvement national congolais Lumumba, Avenir du Congo en père en sigle. Le parti politique Avenir du Congo vient de signer la charte de la majorité présidentielle à travers son président, le monsieur l'honorable Patrick Bologna. Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi pour annoncer à l'opinion nationale et internationale que désormais le parti politique Avenir du Congo fait partie du bureau politique de la majorité présidentielle et notre président, l'honorable Patrick Bologna, siégera désormais au bureau de la majorité présidentielle. Toutes ces formations politiques soutiennent le dialogue national convoqué par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un peuple qui ne dialogue pas, c'est un peuple de personnes compliquées. Dialoguer, ce n'est pas mauvais, mais refuser de dialoguer sans connaître de quoi il s'agit, c'est là où je trouve absurde. Au nom du parti, nous invitons le peuple congolais à adhérer à l'idée du dialogue national convoqué par le chef de l'État. Nous attendons sa convocation et nous leur assurons notre participation. Je crois que c'est par le dialogue qu'on résolvera tous les problèmes que nous avons. Ce n'est pas par la brutalité ni par la violence, ça ne résout pas les problèmes. Nous avons l'expérience de 91 avec les pillages. La violence, la brutalité n'a jamais résolu des problèmes, mais si nous nous mettons autour d'une table, je sais qu'il y a des divergences. Une société ne peut pas évoluer dans l'unanimité. Il faut qu'il y ait des divergences, mais il faut que de temps en temps, les fils et filles du pays se retrouvent autour d'une table pour résoudre justement ces divergences, ces problèmes. Cet acte est une preuve de loyauté au chef de l'État pour un Congo debout. Ensuite,
souvenir des disparus de la marche organisée le 19 janvier 2015 pour dire non à la modification de la loi électorale. La dynamique de l'opposition, le G7 et les fonds citoyens ont organisé une cérémonie au cours de laquelle était question de dire non au glissement, non au troisième mandat, non au dialogue. Suivez. La dynamique de l'opposition, le G7 et les fronts citoyens a réuni tous les mardis 19 janvier 2016 en mémoire de ceux qui ont marché et perdu la vie le 19 janvier 2015 pour les refus de la modification de l'article 20 de la Constitution en rapport avec les élections soit modifié. L'opposition politique s'est retrouvée dans des coins stratégiques du pays pour dire non au glissement, non au troisième mandat, non au dialogue. L'honorable Emery Okunji a réagi à ce sujet. Bobby Makina Balabala le 19 janvier 2015 parce que Bokonzi et Utaka et Panabino et na mama ya mibeko bolobane dengeni ni bino bopesa kabatu. Pona mwa ngonga muke bopesa kabango Bokonzi wana o babengi mandat. Eza la ba député provincial. Bino moko bosi boloba na kata mama mibeko ke yo soki to tindio pona mbula mitan. Tour à tour, l'honorable Martin Fayoulou n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Mokolo elelo eleki mbula moko. Eleki mbula to yaki awa biso nyonso na kata kisasa to sangana. Les jours à venir nous en dira plus. La route Mokali, dans son tronçon compris entre le terrain Swambanza et le pont Yabasango, disparaîtra bientôt de la carte géographique de Kimbanseke. Et pour cause, les niveaux des délabrements a atteint le point non-retour. Observez. Nid de poule, flaque d'eau, boue sont les gros de mots qui rongent l'avenue communément appelée route Mokali à Kimbanseke. Le tas de délabrement a atteint le seuil du tolérable. Les conséquences de ces tableaux sombres ne sont pas à chercher loin. La population environnante subit la loi de eaux stagnantes avec au menu le maladie diarrhéique et infectieuse. Le transport en commun denrées rares, les taxis-motos n'atteignent plus la route Mokali. C'est le chemin de la croix ici. Et le projet à 5 chantiers pour nous faire un travail divisé par prince, divisé par des bâtiments, c'est bien. Mais nous avons besoin de ce bâtiment. Un coin pourtant bénéfique pour l'autorité urbaine m'a négligé. Balabalo yo, nous avons une route Mokali yo, mutua salagan zeloza André Motor, ne poke mobutu. Tellement bas compliqué que André Motor, moi si c'est Musalo yo, ils allent rater. Tous les gouvernements les cas pour un zelo yo, vérité ils allent rater. Même si poke mobutu, à salan zelo te. À telle époque, il y a Mouzé le père, qui a projeté ça dans Zélo, à Misséla Kangote. Même ici, Mouzé le fils, jusqu'à maintenant, même si Zélo Zomou Yazaboui, donc Mboula na Mboula et Tikalaboui. Compagnie-moi, il y a comme les batteries sur Ozomono Boui. Bakom. Baya Rosala Nzélo n'a pas ou n'a pas Congo. Et ça, la matin, Bosala Nzélo n'a pas ou n'a Congo, si jusqu'à ce que tu es ma boule Ozomono Boui. Là, tu vois, c'est la raison d'être de cette sonnette alarme. Bon, normalement, Nzela Oyo et Zaki Nango, moi bien. Bon, c'est la belle élection, Zaki na chef Moko ya Mboka, Ayaki Pona Robong Sanzela Oyo, mais Banda ya, Atikoka na même citation Oyo, depuis Bambou le Bando Betande, et comme na niveau Tozo Monangonge, comme il est là. Bon, population, Tozo Sengaka, qui bat à milliers, OEP, bat à quartier Oyo, Tozo souffrit ma casse. Parce que donc il est très difficile. Mais il est activité très difficile pour être tout ça l'activité na biso. Tous ceux bango donc il baya ko bongisa parce que ça musala na bango. Donc biso tous ceux qui votent bango pour être bango baya ko bongisa misala.
bakobongisa nzela po ete biso pe to se retrouver parce que biso pe tozali parmi ba congolais na kati ya mboko. Voici un chantier propre à la révolution de la modernité. L'église de Noirobundu Diabantu Bandombe veut débuter l'année 2016 avec sérénité. C'est la raison à la base du culte organisé récemment en témoignage de fidélité aux ancêtres. L'office religieux a eu lieu en son siège de Massina sur Kuta 21. Suivi. Une journée pas comme les autres que s'est choisi le fidèle de l'église des Noirs, preuve suffisante de leur attachement aux ancêtres. Tous sensibilisés pour honorer et adorer les dieux de nos terres pour le bienfait durant l'année 2015. Ici, tout est spécial, une tenue différente des autres. Pour introduire les cultes, le Père spirituel donne son mot. Et ces envoyés spéciaux qui nous parlent et nous guident à travers des révélations sans ambiguïté. Je nous remercie pour cette œuvre grandiose que l'homme noir actuel ne comprend la totalité de sa teneur. Mes remerciements vont particulièrement aux membres du comité de la direction générale des groupes de banque Bandombe qui ont tenu le coup malgré des énormes difficultés. Aussi, je pense aux dirigeants des locales qui se sacrifient jour et nuit pour l'œuvre des Tamikoum. Que Wamba s'occupe de leur famille. Ces différentes cérémonies démontrent la capacité des dieux et une exhortation pour encourager le fidèle à avoir toujours confiance à leur Dieu. L'objectif est de faire comprendre au monde et à tous ceux qui s'embrouillent avec des dieux étrangers de rencontrer les dieux de leur terre. Car chaque peuple possède son Dieu. Nous en attendons, il y a race noire. Mbalo, tu ko zongo ali sou simati. Ko collaborer pe na batu ya babunzambe mususu pona ko zongo sa arabe nzambe la msuna simati. Biso to zali pona éveil ya race noire. Et sengeli mutu na mutu. Donc l'oposo na l'oposo e babunzambe na yango. Ndenge kaka to munaka tango bana Israel ba yakina buumbu et pas na biso d'Egypte ndenge nzambe na bango oyo ba bengi Elohim Jehovah atindaka Moïse po aya ko bimisa bango. Moïse alobaki yango clair Isaïe akobata mate eza na kati ya Bible wana nzambe oyo ya bana Israel atindi ngai na bimisa bino tokende na mboka na biso wana eza histoire na bango lelo yo. Ngai pe nzambe oyo ya biso atindinga poto ya kosala rétablissement ya mabili, donc c'est-à-dire race na race il faut babu nzambe na yango. L'une des prophétesses dans l'explication de la communauté. Communauté oyo ezali bundu ya bato bandongo. C'est que eza bo nzambe ya bayindo. Bayindo wana eza général. Baboyi mutuke na osambela ba awa, na osambela ba te. C'est que bengami bundu ya bato bandongo. Et en Afrique, on a moindre nuance, ouais c'est belli. Mais y a beaucoup d'abusangana, ah ouais. Donc bon, y a beaucoup. Et le participant aborde dans le même sens. Qui était alors le matin, c'était là qui pouvait être où t'as besoin d'un bus et bandi. Ils ont négligé ma casse. Mais l'autre, c'était là qui est local, c'est la bande commune. Nous sommes l'engue à Bosambela. Ce type de prières sont organisées chaque mercredi pour plusieurs tranches pour permettre à tout le monde de se retrouver. Les femmes terribles internationales de la mission de réparation de brèche de l'église Beth Shalom organisent une soirée de prières. Un après-midi chargé de prières prévues le 25 janvier en cours de 15h à 18h30, accompagné de l'apôtre Benny Moké. Lieu de rencontre, avenue Kambi au numéro 10, quartier 3 à Massina. Référence, arrêt PMU. Toutes les femmes de Kinshasa sont invitées.
Info Initiative reçoit aujourd'hui dans sa rubrique 10 minutes face au public Oscar Bissimoua, directeur général de Congo Reform, l'agence de presse Triple Action au service du professionnalisme. Il va vous parler de 2 ans d'existence de cette marque rare au cœur de la communication en RDC. Pour qu'on atteigne l'émergence à laquelle nous aspirons, il faut une série de réformes. Mais ces réformes-là, pour qu'elles aient, c'est-à-dire pour qu'elles puissent réussir, il faut qu'elles soient portées à la connaissance du public. Il faut que le Congolais sache ce qui est fait pour lui. Parce que les Français disent vouloir faire quelque chose pour moi, sans moi, c'est le faire contre moi. Et donc le peuple doit savoir ce que le gouvernant font pour eux. Congo Reform n'a pas de tendance politique. Puis janvier prochain, donc le jeudi, à 12h30, à la paroisse Notre-Dame de Fatima, à la Gombe. Eh bien, à cette occasion justement, nous allons présenter d'abord le journal Congo Reform, qui fête ses 2 ans. Parce qu'en fait, c'est le journal qui fête les 2 ans. Il est né comme journal de presse écrite. Mais avec l'évolution des choses, nous sommes en train de concrétiser sa vision d'être ce que nous appelons la première agence triple avantage en RDC. Triple avantage, ça veut dire la seule disposant des 3 canaux de communication modernes en République démocratique du Congo, à savoir le journal imprimé, un site internet interactif, www.congoreform.net, et des émissions télévisées. On ne peut réaliser que ce qui est dans les cadres de notre vision. Notre vision, c'est d'accompagner le gouvernement, le pouvoir public en général, dans les réformes qui sont entreprises. En 2 ans, à travers Congo Reform, toutes les réformes entreprises par le Parlement, toutes les lois votées par les parlements étaient annoncées dans Congo Reform. Notre expert des questions parlementaires était là tous les jours, pour savoir les réformes qui sont entreprises par le Parlement, qui sont, impulsées par le Parlement à travers les votes des lois thérapeutiques. En 2 ans, le gouvernement de la République, en commençant par la primature et d'autres ministères, a eu un appui important à travers la communication que nous avons faite sur les réformes entreprises par le gouvernement. La réforme des finances publiques. Notre première année de Congo Reform, ça n'était approprié et nous avons suffisamment communiqué sur cette réforme de la fonction publique. Je profite de cette occasion pour annoncer officiellement à tous les téléspectateurs d'Info Initiative, à tous les téléspectateurs de vos émissions et à tous les Kinois, tous les Congolais, que j'ai pris une mise en disponibilité à la PIC pour me concentrer à Congo Reform. Eh bien, c'est même l'occasion de pouvoir remercier mon ancien employeur, le promoteur du journal télévisé à PIC, M. Anissé Omboranyama, et Mme Nadine Tilombo, qui est la coordonnatrice de la PIC. Ces 2 personnes m'ont beaucoup aidé. Je peux rassurer tous les Kinois que je garde des très bonnes relations avec la PIC et avec le patron de la PIC. Vous l'avez dit, j'enseigne à l'université. Le management, c'est d'abord la conception. Après la conception, il y a la préparation. La préparation, il y a l'organisation. Et donc, si vous avez bien planifié vos activités, votre agenda, votre calendrier, il est très facile de vous y prendre. J'invite aussi tous ceux qui nous suivent à suivre Info Initiative, ceux qui ont des initiatives à passer pour qu'on sache leurs initiatives. Moi, j'ai mon initiative Congo Reform, mais je suis passé à Info Initiative pour en parler. Ceux qui ont encore des initiatives peuvent passer. Mon tout dernier mot, c'est celui de vous remercier donc pour cette invitation, mais aussi d'inviter tout le monde, tous ceux qui veulent le développement de ce pays, de pouvoir venir jeudi 28 janvier à Notre-Dame de Fatima à 12h pour pouvoir assister à la célébration des 2 ans du journal Congo Reform et la présentation des nouvelles activités de Congo Reform. 30 minutes suffit pour vous informer. Merci de votre confiance à ces magazines et merci à toutes les
l'équipe d'Info Initiative. Je salue mon pasteur, apôtre Béni Moké de l'église Beth Shalom à Massina, quartier 3, ainsi qu'au docteur Fumumba de l'église AE. À la prochaine, Inch'Allah.